La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, il leur dit, c'est moi, Jésus. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus répondit, je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-le partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon Pierre avait une épée, il la tira, frappa l'oreille du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cache. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur dis, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se réchauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent : Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de... Dis tout cela de toi-même, ou bien d'autres de l'ont dit à mon sujet. Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais de gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : Alors tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi, je ne trouve en rien en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate recherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la sixième heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent. Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après ce... Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. Or, on fixait donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai.
afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Au temps de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait jamais déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de mon petit homilie ce soir est Pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à vos ennemis. Dans les enseignements de Jésus intitulés Amour pour les ennemis, Jésus pose à vous qui écoutez. J'ai dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Luc chapitre 6, verset 27. Jésus s'est attiré de nombreux ennemis. Simplement parce qu'il faisait ce qui était bien. Il s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il défendait la vérité. Ses ennemis l'accusèrent forcément parce qu'il était jaloux de ses pouvoirs spirituels. Il était jaloux de son amour, de son attention, et de son compassion envers les gens. Mais malgré toutes les haines, Jésus, sur la croix, a prié pour eux. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Chers frères et sœurs en Christ, nous devions pardonner à nos ennemis car nous sommes aussi les ennemis des autres. Ainsi, en pardonnant à nos ennemis, d'autres nous pardonneront aussi. Oh, comme le monde sera beau lorsque nous vivrons comme le Christ. Que la paix soit avec vous.